Hey, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur du GTA V, donc sur les voitures rares de GTA Online. Donc là on a trouvé une petite voiture, Yoda je te laisse nous parler de cette voiture. Tout à fait, alors ça c'est vraiment un véhicule assez rare, enfin même pour moi je dirais très rare, je l'avais jamais vu auparavant. Et donc la voiture s'appelle la déclassée Tornado et c'est une sportive américaine des années 50-60 à peu près. Décapotable, donc vous voyez qu'elle va spawn ici, donc Eddie je te laisse montrer sur la map. Alors, je dézoome un petit peu tout ça. Donc, en bas, il y a le port. On est ici, au niveau de l'attaque de gang. En fait, c'est une impasse et au niveau de l'impasse, il y a un parking. Donc, elle se situe. La voiture, elle spawnera toujours sur la même place de parking. Celle qui est juste avant la poubelle sur votre gauche. Donc, vous pouvez la voir, elle est là. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a deux. C'est parce qu'en fait, j'en avais déjà pris une première et en fait, il y a tout le gang qui m'a attaqué. Donc, je me suis barré. Et en barrant, bah, il y a une deuxième casse. Donc on va prendre celle-ci, parce que si on prend l'autre, ils vont nous attaquer. Et on va aller la tuner. Oui, je le vois bien, il attend avec son air louche là-bas, là. On va aller voir ce que ça donne avec le... au niveau du tuning. Je te mets un petit marqueur. Oui, le custom le plus près. Hop. Donc voilà, donc vous pouvez voir aussi, Lady, si tu peux vite fait t'arrêter, on peut enlever la capote, en fait. En restant appuyé sur la flèche de droite, comme toutes les voitures décapotables. Ouhou, la classe. Franchement, moi je kiffe, elle est sympa cette voiture. Allez, je t'emmène en virée. Et donc voilà, on se retrouve au custom et on va voir ce que va donner donc ces véhicules une fois améliorés. Hein. C'est parti, hein. Déjà je vais les réparer parce que je l'ai un peu cabossé sur la route. Et pourtant, je vous jure qu'il n'y avait pas long de route. Ah, ça va, oh. 115$ de réparation, c'est pas beaucoup. Franchement, cette voiture, elle a une super gueule, je la kiffe. Allez, c'est parti. Ouais, donc pendant qu'on conduisait, Yoda était en train de kiffer sur les pots d'échappement à l'arrière. Non, ils sont sur le côté en fait. Ils dépassent des pneus sur le côté. À droite, à gauche, à côté des pneus avant. Ah, d'accord, ça. Ouais. Ok, bon, okay, bah, c'est parti. Dis-moi, je vois pas, je te laisse expliquer un petit peu ce que tu fais. Donc là, j'ai mis blindage amélioré 100%, frein de course. Bon, je mets le truc le plus cher en fait, je sais pas si... Alors voilà, pare-choc avant 1. Wow. Attends, pare-choc avant 2. Vas-y, mais celui-là est bien. Le plus joli. Hein. Celui-là, j'aime bien. Le moteur, on va le mettre niveau 4. Il va pas aller par choc arrière? Non. Ok. Alors. Ah bah tiens, c'est ça. Regarde. Donc il y a les trois petits que tu disais là. Ouais. Ou alors il y a un grand en dessous de les portières. Il y a que ces deux-là? Oui. Ah bah vas-y, mets le grand. Moi j'aime bien le grand. Le grand là? Ouais. Non, okay. Tu préfères les petits? Ouais, je laisse, c'est pas grave. Donc, bombe de démarrage, tout ça, on met pas comme d'hab. Non. Les ailes. Ailes chromées. Ah, c'est à l'arrière, ok, vas-y. Ailes chromées, ouais. Ailes couleur carrosserie. Ouais. Ou pas d'ailes. Vas-y, mets une petite aile chromée, moi j'aime bien. Ailes à détail. Autrement, t'as ailes chromées avec détail. Pas de décoration. Ornement. Ah, ornement, c'est sur le dessus, à l'avant des phares. Ornement, j'aime bien. Vas-y, mets ça. Et on va mettre ça. Le capot avant. Capot de série. Capot classique. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Oh. Oh, ça, c'est moche, espèce de gros truc. J'ai jamais compris. Moi, j'ai bien, mais ça va pas trop sur cette voiture-là. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Klaxon. Bon, on va mettre un klaxon... de base. Hop, au pif. Éclairage fort au xénon comme d'hab. Donc prévention de perte et vol, comme vous pouvez le voir, on peut mettre une balise, une assurance. Donc ça doit pouvoir se mettre dans le garage. Plaque, rien de nouveau. Bien... Ah oui, le noir, écriture jaune sur fond noir, ça va très bien là pour le coup. Enfin, quoi qu'après, on va peut-être pas la laisser en jaune. La transmission, on va la pousser à fond également. Turbo, pareil. Les roues, on va y revenir, on va changer la peinture. Donc c'est parti, on avait dit on ferait un petit blanc avec des liserés rouges. Ouais, moi j'aurais bien vu toute blanche avec des liserés rouges, ouais. Ça blanc, bien rendu. Mat, classique, métallisé. Ah, métallisé, ouais, métallisé. Alors.
Ça s'appelait blanc glacier, pardon. Je connais même la couleur de la peinture. Givre ou glacé? Glacé. Glacier, c'est bien. Glacé, ouais. Et donc, couleur secondaire en métallisé, on a dit. Ah, il n'y a pas de. On peut pas Ah, c'est changer la les bandes. capote en fait. Eh ouais. Ceci dit, en rouge, c'est Ah, pour sympa. le coup, elle était bien en jaune et noir. Eh oui. On peut pas changer les couleurs des bandes. Ah, mais attends, est-ce que recapoter, on peut la recapoter ou pas là? Ouais, on pourra normalement. Bon, bah tant pis, on va laisser comme ça. Tu rechangeras la couleur s'il Ouais, ouais, faut. ouais. Emblème de croc, on va peut-être pas abuser, hein? Non. Et on va changer les roues. Je pensais que c'est les bandes qui changeaient de couleur, mais en fait, pas du tout. Des roues classiques, à mon avis, plutôt. Hein. Bon, c'est dans le look, tu sais, 70, enfin, 70, 60, je sais Bah, de pas toute trop. façon, t'as quoi? T'as haut de gamme, lowrider, muscle car? Lowrider. Lowrider? Ouais. Alors, Seven Fives. Pour rester dans le un petit peu à l'ancienne. Celles-là, sont pas mal. Ouais, celles-là sont pas mal, j'aime bien aussi. Couleur des jantes. Ah, vas-y, mets-le en rouge, ouais, ça pète, j'aime bien. Carrément. Accessoires de roue. Ah, vas-y, vas-y, ah, le déchire. Fumée de pneus rouges. On n'est pas bien là? Si, on est bien. Et voilà, donc on a fait le tour. Un petit coup de fenêtre. Apparemment, elles sont limousines de base. Donc bah, ça c'est bien, nickel. Et voilà. Donc on va avancer un petit peu, voir comment elle qu'elle donne au niveau du moteur. Ah tu vois, elle se Alors. décapote encore. Ah moi je la kiffe cette caisse, elle est terrible. Et recapoter, elle est belle, hein? Ouais. Et voilà, donc on Mais... va aller tester ça un petit peu. Bon, c'est des voitures classiques à l'ancienne, donc c'est pas non plus. Faut pas s'attendre à des monstres de rapidité. Je vais essayer de pas la torcher dès le début, ce serait bien. Bon ça, elle roule assez, Ah, ça enfin va, hein? c'est pas Ouais. la voiture la plus rapide du jeu, mais pour une vieille voiture, elle roule pas mal. En tout cas, elle est vraiment sympathique, elle a un beau design. Elle a une belle gueule, on va dire. Donc voilà, on vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Et puis on vous dit à très bientôt pour la suite de cette saga des véhicules rares de GTA. Aïe! On coupera au montage. À très bientôt tout le monde, gros bisous.